cette deuxième conférence de l'IFACI a été de grande qualité. Elle a permis à nos différentes professions autour de la maîtrise des risques de pouvoir se rencontrer, échanger leurs meilleures pratiques dans le cadre d'ateliers précis pour pouvoir finalement élever leur niveau de professionnalisme. Par ailleurs, ça a permis à des intervenants étrangers à la profession, mais qui représentent nos différentes parties prenantes, de pouvoir s'adresser à nous, nous faire part de leur vision, de leurs attentes. Et ces interventions qui ont eu lieu en début et en fin de chacune des deux journées ont été de très grande qualité. L'intervention de Claudie Aigneret donc, a été incontestablement un fait marquant. L'exposé de Franck Dangeard également. Et puis, beaucoup d'ateliers ont été absolument passionnants. Il y a eu un atelier sur le whistleblowing, qui est une notion toujours un petit peu délicate, parce que en France, comme en Italie, ça a un petit côté délation, donc culturellement, on n'aime pas trop cette notion. Un atelier aussi extrêmement intéressant, ça a été celui sur la coordination des deuxièmes lignes de défense. Donc là, on est vraiment dans la technique, je dirais, d'audit. Mais le partage de ce concept de ligne de maîtrise, comme on dit en français, de défense dans la version anglo-saxonne, de voir les difficultés que rencontrent les uns et les autres, c'est une source irremplaçable en peu de temps de trouver des idées pour améliorer sa propre organisation.